L'été environ 10h matin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, arrivé dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Yon délégation qui gen la dan, représentant li nan peyi a, Maria Isabel Salvador, ak ministre affaires étrangères Jean-Victor Généus, te présent pour recevoir secrétaire général la. Sans perdre du temps, Antonio Guterres prend direction résidence officielle premier ministre lan. Visite sa, selon secrétaire général la, c'est pour porter solidarité dans situation difficile population haïtienne nan ap fè face. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations face aux gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Si nous pas agir kounya dans situation pays a, ça ka gen gros conséquences sur génération demain. Nous avons cité parole secrétaire général l'ONU qui renouvelait demande libre côté partenaires internationaux pour porter support au pays d'Haïti. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. J'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Premier ministre Ariel Henry, ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus, chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, membre au Conseil Transition, acte sous scène politique ak nan société civile là, c'est quelques parmi personnalités ak secteur secrétaire général Organisation Nations Unies rencontré dans quatre visites ça qui dirait quelques temps. Antonio Guterres souhaitait acte yo mette intérêt personnel yo sous côté et puis joignent yon entente pour remettre Haïti sous rail démocratie. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers interhaïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la Transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien avec une pleine participation des femmes et des jeunes permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. Après visite li nan peyi a, secrétaire général Nations Unies prend direction Trinidad et Tobago côté là il participer dans 45e réunion chef d'État ak chef gouvernement CARICOM.